Il y a des guérisons qui s'opèrent là. There's healing operating là où tu avais mal, touche là où tu avais mal. Where you used to Père, be pain, let's Père, chez vous là-bas. You are les top. Handicapés, levez-vous. Lame people, les aveugles, up. Voyez. Blind people, see. Les sourds, entendez. Deaf people, Père, Father. Père. Mes frères, Dieu guérit les gens chez My eux. Brothers, the Lord is healing people Dieu guérit at their les gens chez eux. God is healing people at their place, guérisons at their home. Chez les gens. There are many Il y a des gens things. Qui quittent le péché aujourd'hui. There are people who are living sin today. Regardez. Il y a des gens chez eux qui There vont certainement at their appeler. Homes that will call. Il y a des gens certainement chez eux que Dieu guérit, la vient de guérir, qui vont appeler. There are people that God has healed, appeler pour and témoigner. They want to phone us, on a encore to call quelques minutes là, après on finit. Call and testify. Appelez pour témoigner. Il y a des choses qui se Call passent and chez les gens. What's going on at your place le Seigneur at home. Me dit qu'il y a des choses qui se passent actuellement là chez les gens. The Lord is telling me that there are something things happening. Il y en a qui pleurent chez eux. At their places, at their home. À cause de la présence de Dieu. Some are crying because of the presence of God. Une femme chez elle qui n'arrivait pas à marcher correctement a commencé à marcher là en ce moment. There's a woman at her place at home who couldn't walk properly. Now she oh, can. Oh alléluia. Quelqu'un chez une femme. There's a woman chez elle. At her place. Dieu l'a saisie, elle a commencé à crier. Les démons sont sortis. The Lord touched her, took her, and demons Vous pouvez came appeler. Out. She started crying, Vous and pouvez the demons appeler. Came out. You can le numéro s'affiche là. And you can see sur le the fixe number. Ou sur le portable. You can Amen, nous le fixe là. Vous allez voir ce que Dieu fait là. C'est you impressionnant. You will see what God is operating. It's oh, just alléluia. Amazing. Wow. Il y a quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Hello, good evening. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Soyez toutes bénies au nom de Jésus. Amen. Oh, be blessed. J'avais un mal de dos terrible. I had a very mal de dos, mais guéri, mais c'était épouvantable. Même hier, j'arrivais pas à travailler. Même ce matin, ça m'a immobilisée depuis hier et aujourd'hui. Et là, pendant que le frère parlait, et j'ai senti la douleur partir tout d'un coup. Et là, je me sens bien. Je me sens vraiment fortifiée au nom de Jésus. Jésus. Jesus. She had wow. a back pain for a long. Jésus. But while she was at home, she prayed. Yes. Yes, she prayed and Jesus healed her. Hold on. Healed her. Yes. Jésus l'a guéri. Jesus healed her. Jésus, comment ne pas te louer? Allô? Hello. Allô, bonsoir. Good evening. J'appelais pour glorifier le nom du Seigneur. D'accord. Ce matin, enfin tout à l'heure, je venais d'entrer chez moi et j'ai mis juste le direct et j'ai commencé à avoir mal au niveau de mon épaule qui descendait jusqu'à mon bras. Et vu qu'on était dans l'adoration, je priais le Seigneur, j'adorais avec vous et tout. Et j'ai senti le mal parti d'un coup en fait. Voilà. J'ai senti le mal parti. Et j'ai dit, ouais, gloire à Dieu. Je voulais juste... Gloire à Dieu. Dieu travaille. Amen. Gloire à Dieu. Il travaille, il travaille, il God travaille, il her. Travaille. She voilà. was at home and she started watching the Ça program, va? The service. Qu'est-ce qui se passe? To set her free. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Stan à Paris. Je vous appelle pour témoigner d'une guérison du genou que le Seigneur m'a accordé vendredi dernier. D'accord. En fait, j'ai été opéré deux fois du genou en 95 et en 98. Comment? J'ai été opéré du genou deux fois en 95 et en 98. D'accord. Et en fait, on m'a opéré du ligament croisé, du ménisque. Donc du coup, avec ça, j'ai une vis dans le genou. Et donc, quand je marche, j'ai parfois des... Allô ? Oui, oui. Donc, quand je disais, quand je marche, j'avais la sensation que ma jambe allait se dérober. Et vendredi dernier, à Savigny-le-Temple, à un moment donné, vous avez dit, ici, il y a une personne qui était guérie du genou. Et moi, j'ai pas pu lever ma main, c'est après que je me suis rendu compte que le Seigneur m'a guéri. Et jusqu'à aujourd'hui, je marche sans douleur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Waouh, il y a un appel. Allô, bonsoir. We have someone over the phone. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui. Oui, je sonne de Belgique. Alors, qu'est-ce que se passe là-bas en Belgique? Oui, alors, dimanche passé, lors d'un match de foot,
Je me suis fracturé le péroné. Ma cheville, elle s'est retournée à 180 degrés. Oula. Enfin, vraiment quelque chose de pas beau. Et j'avais donc des douleurs horribles, les ligaments touchés, évidemment. Et je suis dans le plâtre. Et quand vous avez dit les boîtes marchent, donc j'arrivais pas à toucher mon pied, à toucher par terre, tellement j'avais des douleurs. Mais quand vous avez dit les boîtes marchent, je me suis levé, j'ai commencé à marcher. Et maintenant, j'ai... Oh! Alléluia! Oh, Jésus! Je me retrouve avec un plâtre qui sert à rien, quoi. Il va bouger ma cheville, tout va bien, quoi. Qui vous a dit que Jésus a changé? Who told you that Jesus has changed? Qui vous a dit qu'il faut absolument être dans le local du 26 ici pour que Dieu vous touche? Who told you that you need to be here among us so that God can touch you? Ayez foi en Jésus. Have faith in Jesus where you are. Là pour toi mon frère, c'est bon, c'est réglé, il y a quelqu'un ici. For you, my brother, is done. There's someone here. C'est une femme. A woman. Qui nous suit maintenant. Who's following us. Qui souffre d'une maladie incurable. Who's suffering from an incurable disease. Je dis, tu vas appeler même ce soir là, tu vas appeler. I'm telling you, you will call us tonight. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève-toi et cours dans ta maison là, dans ton appartement, cours là. Stand up and run in your house. C'est réglé. It's done. Samedi prochain. Next Saturday. Viens témoigner là. Come and testify. Samedi prochain. Next Saturday. Réunion de guerriers et de guerrières. There will be Hallelujah. With the warriors. Nous allons invoquer Dieu. We will call upon God. Nous avons soif. We are thirsty. Nous avons soif. We are thirsty. Nous lisons le livre de réveil. We read the book oh, Charles Finney, John Wesley, Kaku Sauvera, tous ces gens-là, frères. Ils sont morts. They are dead. Mais Jésus n'est pas mort. But Jesus is not dead. Il est ressuscité. He is Notre génération a besoin des hommes et des femmes Our generation qui glorifient Jésus. Who glorifies Jesus. Et nous voulons voir Jésus-Christ glorifié. And we want to see Jesus Christ glorified. Nous avons soif. We are thirsty. On se laisse guider. Quand Dieu dit arrêtez un peu, on arrête. Quand Dieu dit bougez là, on bouge. Quand Dieu dit deux, trois réunions, on le fait. We do on what the Lord tells us to do. We are thirsty. Bethesda. 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 C'est ce que j'entends là. That's what I'm hearing. Ce que j'entends là. That's what I'm hearing right now. On n'a pas besoin de toucher. There are some people we do not le have to fait de them. Se lever, de dire Seigneur, je veux t'adorer. By the fact of standing je and t'adore. Saying, Lord, I ah, worship c'est réglé. You. Comme ça. And all is done, all happens. Vous allez comprendre que ce message n'est pas de nous. You will understand that que this c'est la message parole de Dieu. Doesn't come from us, but it's the word of je God. Vous dis, I'm telling you. C'est une nouvelle onction. This is a new anointing. C'est une nouvelle autorité. A new authority. C'est une nouvelle saison, Dieu dit. A new season, God is saying. Oh! Quand John Wesley prêchait le nom de Jésus, when John Wesley was preaching les gens the name tombaient of sous Jesus, l'onction. People were falling under donc the ce n'est pas nouveau. But this is not new. Dis à ton voisin, Dieu est le Dieu de réveil. Say to your neighbor, God is the God of revival. Jesus. Tu vas prendre le train, tu vas t'asseoir tranquillement. You will take the train, sitting, tu vas voir les gens vont commencer à pleurer. And you will see people crying, tu vas leur demander, crying. Vous avez perdu quelqu'un? You will ask them, have you lost someone? Ils vont dire, non, nous sentons que nous sommes pécheurs. They will say, no, but we feel that we are sinners. Quelqu'un a appelé? Ça va appeler. Have we got someone over the phone? No. Avant que je parle par rapport à samedi prochain, before le Seigneur m'a parlé de ça. Saturday, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas qu'il dise, mais lui-même, toi-même, tu lui dis qu'il soit, qu'il continue le semaine, and le samedi prochain. I say the Lord, if this is your will, samedi may prochain, he say it. Il y avait le réunion des hommes. Ouais. J'ai dit, bon Seigneur, si c'est next ta volonté, week, bon, conduis ton serviteur. Gathering on of va men. Élever Jésus. On va élever Jésus. Raise Jesus, worship him, praise il y a des gens qui sont condamnés par la médecine. There are people who are condemned by the medicine. Ils vont se tourner vers qui? Where will they turn? Mais si on leur prêche Jésus qui n'agit plus, if we preach Jesus who no longer acts, ils vont se perdre. They will be lost. Ils ont besoin de voir notre Jésus. They need to see our Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Frères et sœurs, brothers and sisters, il est Seigneur. He is Lord. On a encore 10 minutes. Il y a we des are gens waiting qui vont appeler. 10 more minutes. Il y a des people who have to call. Jesus Christ. Jesus. Les ossements desséchés là.
Dry bones, dead bones. Il n'y a plus d'espérance. There's no longer il n'y a plus d'espérance. Hope. There's no plus d'espoir. No hope. Mais une parole a été dépêchée. But a word has been Dieu dit, écoutez la parole and de the Dieu. Lord say, listen quelqu'un to the word en ligne, of God. We have someone over the phone. Dieu me montre, il a envoyé beaucoup d'anges dans les maisons aujourd'hui. The Lord shows me that he has sent many angels in people's houses. Hey! Mon Dieu. Oh, hein? Allô? Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Ici l'hôpital de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est pour témoigner par rapport à ce que le Seigneur a fait pour moi. J'appelle depuis J.A. Clermont-Ferrand. En fait, depuis 2 semaines, je suis tellement essoufflée. J'ai tellement le souffle qui ne monte pas partir du cœur. Tout à l'heure, quand vous avez parlé d'une femme vraiment qui souffrait, je suis sortie directement aller faire la course au niveau des escaliers. Et là, mon cœur, ça va, je ne suis pas essoufflée, ça va et tout et tout. Et les crises d'asthme, il n'y en a plus. Alléluia! Alléluia! Oh Jésus! Jesus. Dieu t'a donné un cœur d'enfant, un cœur tout neuf. God has given you a new heart. Amen. Amen. Il y a quelqu'un ici avec sa béquille, avec ta béquille là, tu m'entends? Tu as une you're béquille là. You're hearing me. You're listening to me. You have a crutch. Laisse ta béquille. Leave it down. Marche au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Jesus. Je dis mais qu'est-ce que se passe là-dedans là? You will say what's going on? Is he crazy? Tiens, ton voisin, c'est gratuit. Tell your neighbor it's dis-lui, free. C'est gratuit. It's free. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement au nom de Jésus. Jésus.